yon nan moun ki ta sensé suspect ki ta impliqué dans assassinat président, voilà que c'est lui-même qui est dans tête pays jusqu'à présent. Donc, c'est clair, dans quel que soit pays au monde, nous pensons que Mounsa n'est pas dans la tête pays. Donc, pas souci pour que la lumière faite, pour retirer non seulement suspicion sous lui, et pour que non seulement la justice capable de faire travailler, il a obligé de faire démission de façon à ce que le dossier ça te avancé. Mais l'un de nous est au contraire, au lieu que Mounsa lui-même, l'État ait écarté le pouvoir pour que lumière t'ait faite, eh bien, c'est un monde qui t'a aimé rester sous pouvoir ça pour faire 50 ans encore jusqu'à ce qu'il mourit. OK? Donc, c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous sommes très douteux de que le président Jovenel soit capable de jouer une justice dans la condition que nous avons des dossiers et enquêtes à mener au niveau, nous capable de dire, interne. On a nos désirs. Désirs, on a les désirs. Très bien, monsieur Junior Bateau. Ou rappelez-nous que vous êtes dans l'opposition, mais ça n'a pas empêché que vous réclamez justice pour le président Jovenel Moïse. Ou fier de, bon. De parcours dans l'opposition, que vous êtes avec le gouvernement Jovenel Moïse? Mon cher, je suis capable de vous fier parce que nous-mêmes, nous sommes les gens qui ont boumé pour le respect des droits de la personne humaine. Nous sommes les gens qui ont boumé pour la démocratie. Nous sommes les gens qui ont boumé pour la bonne gouvernance. Dans la façon que le président Jovenel Moïse a dirigé le pays, pas de monde qui a pris le pays qui n'est pas dans l'opposition. Donc, c'est clair. Mais dans l'opposition, c'est une opposition constructive, une opposition qui t'a boumé pour que un changement dans le pays. Ce n'est pas une opposition criminelle, les mêmes, qui t'a participé à la destruction de ce pays, qui arrivait à la destruction de vie humaine. Lors où est un peu le monde qui était impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Bon, de ça, mais. On va parler à l'idée de différence à l'opposition que SDP t'a mené, parce qu'un peu le monde imagine. Mais que nous t'es unis, nous t'es font seul la bataille que nous t'as fait contre le président de la République là. Et je dis, hein, mais André Michel et ensemble des nègres qui étaient dans le SDP à dans pouvoir. Et forme de ça, opposition qui t'a gagné sous président Jovenel Moïse, c'était une opposition plurielle. OK? Son opposition plurielle, l'ITE, t'es gagné différents acteurs. T'es gagné acteurs qui t'a boumé, clairement, acteurs Sayo. Il était vrai que bon changement pays. C'est le cas de Mkapabdi et notre coordonnateur au niveau de FND qui c'est député Sergent Louis. C'est le cas de moi-même Kaboumé. C'est le cas de RSD. C'est le cas de un ensemble d'organisations politiques et sociopolitiques à l'intérieur du pays qui t'a boumé pour que bon changement réel dans le pays. Mais quel monde t'a boumé? Quel monde pour changement réel? Le t'a boumé pour la destruction d'Haïti. Et je dis à la, ou capable de constater, dans l'opposition, il y a deux mondes, je dis à la, et ils ont intégré le pouvoir Ariel Henry, pas aucun changement qui fait. Au contraire, son changement de monde. Donc, c'est le monde qui a défendu l'intérêt poche, l'intérêt tête, mais on ne peut pas défendre l'intérêt pays. Monsieur Bateau, la preuve est bien grande, mais vous êtes d'accord avec moi et puis désir. Est-ce que utiliser terminologie opposition plurielle, nous aimons utiliser, hein? Est-ce que c'est pas une façon comme si je dis, pour nous dédouaner, nous, on peut se dédouaner de situation que je dis, hein, et nous-mêmes, nous venons mettre pays en tout après assassinat président. Pour me dire qui ça? Parce que l'autre, si vous oubliez là, l'été qu'on a des mouvements de manifestation dans la rien, et assurément, dès qu'on a joué M. Bateau bon côté et André Michel, dès qu'on a joué M. Sergent bon côté André Michel, qui donc, bah, c'est les sortes à porter le même discours. Je veux dire, comment faire comme si, et décantation ça, entre nous-mêmes, soit FND, ou disons RSD, et puis SDP, tout ça, yo. Est-ce que c'est comme si vous n'avez pas montré maintenant que nous-mêmes, qui dans FND ou bien une catégorie de nous nous pas responsable des situations pays après président après nom président. Nous t'aimé que à l'archive sous capable monter sous page Grand Haïti 2019 on met allé ou après différentes notes que Grand est comme sorti. OK. Et nous t'es toujours nous-mêmes dans une opposition constructive. Côté que nous te dit, c'est par le dialogue, par les négociations pour nous résoudre différents que nous y a. Nous pas jamais dans l'opposition, diamétralement opposé avec le président Jovenel en tant que président, pour nous demander, pour nous ôter à la ville. Au contraire, nous avons fait des propositions pour nous dire, mais comment nous sommes capables d'arriver à joindre une solution à la crise qui a brassé le pays. Mais il y a des gens qui sont capables de dire,
yo même c'est pas ça au terrain. Et je suis capable de faire une référence. Nous songe que, avant yo assassiner le président Jovenel Moïse, te gen yon négociation dans la conférence épiscopale là. Te gen deux moun qui t'attendaient. Par exemple, te gen professeur Victor Benoît à l'époque qui était allé, qui t'attendait dans la négociation ça yo. Et bien, à l'époque, ou capable et les radicalistes, les anti-pays, les apatrides, te dénoncer le fait que gen moun qui t'a chita parler avec le président Jovenel Moïse. OK, à l'époque, nous-mêmes, nous t'es dans ligne moun qui te croit que c'est par le dialogue, c'est par les négociations que nous t'es qu'à résoudre différents nous. Eh bien, qui s'acrive aujourd'hui à là? Eh bien, moun qui t'es content l'intérêt d'Haïti, yo, eh bien, je dis à une fois que, soit de près ou de loin, qui était impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, je dis à là, je senti au confortable avec M. Ariel Henry, qui non seulement il y a un soupçon qui t'a impliqué dans l'assassinat, ça, non seulement c'est un qui a le pouvoir pendant 28 mois qui n'a pas fait rien, parce que l'un gardé, on prend exemple, et 7 juillet, et 6 juillet et 2018, avant d'être assassiné le président Jovenel Moïse, c'est 15 jours. Le président Jovenel Moïse te mette sous prix carburant à l'époque. Laisse ça, le monde sa haute est soulevé peuple là pour peuple à lever campé parce que le gaz est monté. Et je ne j'en dis à là, pendant plus de deux fois Ariel Henry, lui monte gaz et monsieur arrivé doublé et même triplé prix galon gaz dans le pays d'Haïti. Et bien, qui s'est passé? Moun sa yo senti confortable pour chita bon kout Ariel. Pendant ce temps, Jovenel Moïse te mette 15 gouttes. C'est pour montrer que la différence là. Deuxièmement, al gade pour wè, combien on ti mamit du riz, combien on ti mamit pour, on ti gode l'ouil te vend, le président Jovenel Moïse te là. Et puis, pendant ce temps, moun sa yo t'a parlé de la vie chère. Et je dis à là, avec Ariel Henry, c'est pas la vie chère qui gagne encore. C'est pas grand goût qui gagne encore. M'pa ka qualifié de grand goût, sans pas qu'à qualifier de la mais monsieur Bateau, vous êtes d'accord avec moi, c'est... Monsieur Bateau, vous êtes d'accord avec moi, Dieu doit c'est pas un même à propre bouche pour quitter qu'on dit, mais vous êtes d'accord avec moi, c'est ensemble de ne quitter qu'on beaucoup d'autres, quitter qu'on a dit, dans des manifestations, si nous pas voyez Jovenel Ariel Henry, ça veut dire c'est parce que dans le moment que Jovenel t'a dit j'ai payé, bagarre la pâte bon du tout. Est-ce que je veux dire selon vous même, monsieur Bateau, ou estimez que bagarre la vigne 4 fois, même 5 fois plus mal? Ou dit, et ça c'est pour une partie question. Ça c'est pour une partie question. Et deuxième partie question, est-ce que c'est Jovenel qui te problème, non? Ou dis-moi, administration, mais l'État en soi, mais système, non? Ou dis-moi, est-ce que c'est parce que nous avons politique, retirer pied pas, mais mettre pied pas, que le dire. Monsieur Bateau. Fondi, son question qui n'est pas capable de répondre de manière simpliste. Bon, allez. Il faut admettre que à un certain moment, président Jovenel Moïse faisait partie du problème. OK. De même que aujourd'hui Ariel fait partie du problème. OK. Mais le fait que on fait partie du problème pas veut dire que c'est ou même qui uniquement problème là. OK. Attention. Donc par conséquent nous dit même si on fait partie du problème, eh bien nous connaît tout problème et identifié est à moitié résolu. Une fois que ou identifier moun qui fait partie du problème là, eh bien nous capable chita pour que nous dialoguer, nous négocier de façon à ce que nous capable arriver résoudre problème là. C'est ça lié. OK, mais c'est pas arriver effacer moun là, c'est pas arriver ôter la vie moun là qui va résoudre problème là. Parce que nous tous haïtiens nous n'a boumé pour que pays nous changer, nous capable gain des différents, nous capable et pas ouais bagaille au même genre. OK, en politique. Mais nous-mêmes, nous pas fait la politique au toit pour que je m'y mette. N'a fait une politique constructive, excusez-moi, de façon à ce que nous-mêmes, nous venions avec des propositions qui sont capables de retirer Haïti dans le boubier que l'IA, qui sont capables de retirer Haïti dans le marasme économique et social côté l'IA là. Et nous-mêmes, c'est comme ça que nous faisons politique. Okay. Et bien, je ne veux pas dire là, je dis à Mounsayo, yo même yo pas trop bagaille comme ça bagaille c'est une série de monde qui était aigri yo était aigri parce que président Jovenel Moïse c'était un petit paysan qui sorti dans nord-est là et puis ouais c'est petit paysan ça qui vient président yo et bien par conséquent yo était aigri yo dit que nek ça coûte que coûte c'est pour yo effacer voilà c'était une haine me capable dit vénal que yo gagné contre président Jovenel. C'est ça qui fait que coûte, yo font genre facile.
de journée aujourd'hui à la preuve en est bien grande. Yo très confortable beaucoup Ariel parce que Ariel c'est un élément de la classe. Donc Ariel Henry c'est un monde qui fréquente tout les élites de ce pays, que c'est élite économique, que c'est élite politique, lui connaît monsieur connaît tout, eh bien, yo senti très confortable avec Ariel, parce que Ariel pas un paysan. Pas un paysan. Monsieur Bateau, okay. Et pas le fait que sous Tatiboni tout sous au cap qui fait qu'au paysan attention. Mm-hmm. OK, pas porter que nous paysan ou pas paysan. Mm-hmm. OK. Parce que normalement paysan ils sont concept. Mm-hmm. Ils sont concept. OK. Ouais. Donc Ariel Henry son nègre qui rentrait Port-au-Prince et qui fait étudier et qui fréquentait tous les éléments de la classe. Okay. Donc pas besoin de faire histoire à Ariel. Exact. Non, c'est une année tout qui c'est agent international, ok? Ah bon? Qui au service de l'international. C'est agent d'où? Donc, normalement, c'est ça que un pile monde très confortable avec Ariel Henry, malgré Ariel Henry, pas défendre les intérêts supérieurs d'Haïti. Ariel Henry, son nègre, cap défendre des intérêts, capable de dire, de l'impérialisme en Haïti, et ça fait que jusqu'à présent, malgré Ariel Henry, pendant les 28 mois passés à la tête de ce pays, à la tête de l'État d'Haïti, il n'a rien fait pour améliorer les conditions, je suis capable de dire peuple ça. L'obgade sur le plan social, c'est zéro. Peuple a vu une pipe. Classe moyenne, je suis capable de pas même exister encore. Et masse la journée, je dis à là, je suis capable de dire pas même rien en elle. Oui, ça problème. C'est ce que là, mais c'est comprendre parce que les amis capteurs de nous là, sont ensemble de médias à comprendre ça, soit dit vraiment. Alors, ça qui est dimanche. Mais je dis là, monsieur Bateau Junior, si on a vu, soit que l'opposition radicale, ou bien opposition, comme on a dit là, radicale ou bien constructive, là, t'as fait avec pays, par rapport avec comme si pour nous dire, bon, n'a pas retiré président Jovenel ou passé le problème, mais c'est le système, c'est l'État, alors que bagarre la vie m'pi mal, a vu ça, ça t'a fait, monsieur Bateau Junior. Bon, si t'as gagné un aveu que nous t'as dit fait, et nous t'as dit que c'est bien malheureux que yo assassiné président Jovenel Moïse. C'est bien malheureux parce que même si président Jovenel Moïse t'a mal dirigé pays, ça ne vaut pas la peine d'ôter sa vie. Et surtout, la façon que yo assassiné président Jovenel Moïse, c'est pas président Jovenel Moïse qui a assassiné, c'est le peuple haïtien qui a avili. OK. Le assassiné président au pays, c'est pas moun en tant que tel, c'est peuple qui a avili. Et Jean Rofel là, il retire toute dignité, il retire toute dignité peuple haïtien. OK? Donc aujourd'hui à là même, moi trouver ça son bagage qui horrible. Il horrible parce que nous croyons que les haïtiens qui fait politique, les haïtiens qui dans secteur privé haïtien en Haïti qui pas respecter la vie qui son bagage qui sacré. La vie que seul mon Dieu qui baille, seul lui-même qui caprelle. Mais qui va respecter voilà la vie, que... qui va respecter la vie, mais qui va respecter caractère monde tout en même temps. Parce que nous d'accord avec M. Bateau Junior, on peut parler de là. Soit parler de la vie, moins de la vie, ou non parler de caractère. Qui est plus important que la vie? La vie est irremplaçable. Exact. La vie est irremplaçable. Exact. Mais parlant de caractère, on va pas rentrer dans la question logique.
et sacrifier caractère, parce que moi tant des mots ça trop souvent de monde qui parlait de sacrifier caractère. OK. Parce que appelle les chacha appelle les chien. OK. Ça va bien, ça va bien. Assassiner le président Jovenel Moïse a pas fait passer pour un bon président. Président Jovenel Moïse n'était pas un bon président. OK. Il faut l'admettre. Parce que président Jovenel Moïse c'était On moun kap viv sans caractère, sans dignité, li se yon corps qui tout simplement existe, li nou ta ka di kèl pa gen vie. Parce que ou sans caractère ou sans dignité, pa gen moun ki pran pouen. Et c'est ça qui cause pays à la situation que li a, ensemble des autorités ken gen ki brigue pos à pouvoir yo, yo sans caractère, yo sans dignité. Voilà, eh bien, jounen di a la, nous gagnons la tête pays là. Comment on comprend nous qui premier ministre à la tête d'un État, cap bailan mais avec un diplomate, les baisser tête, c'est comme si que c'est un sujet qui a baissé tête devant un roi. OK. Pas un protocole même. Non, pas même protocole. On parle de protocole, pas même protocole. Protocole sont l'autre bagaille. Mm-hmm. Ça veut dire, ouais, c'est un esclave qui et coubel devant yo maître, c'est ça y est. Donc c'est moun sa nou gagne comme premier ministre dans pays a, c'est moun sa nou gagne dans tête l'état pays d'Haïti. C'est lui même depuis 28 mois qu'a joui de recette taxe comme l'état pendant ce temps li pa bay rien, li pa fè rien pour peuple là, li pa fè rien pour paysan Atibonite k'a qui la plantation du riz, li pa fè rien pour paysan en Kayo qui t'a plein. Mais c'est bateau l'Atibonite pas existe. Mais c'est ça m'a parlé là. Oui, comment vous voulez pour l'Atibonite exister pour qu'a gagne moun ça dans tête l'état par rapport avec phénomène banditisme qui gagne à travers les développements. Mon frère, le phénomène banditisme est un banditisme programmé. Par qui, monsieur Bateau, par qui? Parce que monsieur Bateau, le président Jovenel Moïse est là, et moi-même, t'es content des paroles là, et dans la presse, t'es content de parler. Les pas exemple qu'on qui fait, ou t'es une opposition du comme ça, et ça soit kidnapping d'État, ça soit insécurité d'État, ça c'est le, comme si on pas pouvait pas le pouvoir. Laissez le président qui a parlé, il dit comme ça, c'est un kidnapping politique, une insécurité politique. Ça veut dire, il faut une opposition. Mais je dis là, parlons de l'insécurité. Parler là, programmé par qui et qui est-ce qui a financé et qui est-ce qui a intérêt à la donne? Écoute, qui est-ce qui est véritable et victime, non, monsieur Bateau Junior? Écoutez, c'est pas mon deal. Mm-hmm. C'est pas mon deal. D'ailleurs, depuis plus de 2 ans, il y a des sanctions qui baillent et nous avons l'issue, nous avons noyau, nous avons des personnalités que à travers le pays, que c'est personnalités politiques, de monde qui était député, de monde qui était sénateur. Que c'est moun qui c'est personnalité et dans secteur privé de moun qui gen gros business dans pays a nos cité tout monde connaît que yo di men moun k'ap financer gang. OK, moun k'ap bay l'argent à gang. OK, donc c'est pas moi di yo, c'est bagaille non seulement pays Canada dit, c'est bagaille pays États-Unis dit, c'est bagaille Nations Unies dit. Donc jodi a la nan ben pa gen caché l'ombre. Donc jodi a la li clair que question gang qui est dans le pays là, c'est un banditisme bien planifié. Moun journée jodi à la cap importer du riz dans le pays là, yo pas avec paysan la Tibonite produit du riz. Donc yo arrivé mettez gang pour que du riz la Tibonite pas cap produit, pas cap paysan pas cap travailler la terre. Et puis pendant ce temps pour que du riz absorbe dans Rice Corporation aux États-Unis pour venir entrer dans le pays d'Haïti envahi nous avec du riz. Donc du riz capsule tout côté, c'est ça lié. OK, donc yo mettez gang pour que production pas une production nationale, et puis pour bagaille cap entrer Saint-Domingue yo bay pour conteneur passer à l'aise pendant que ti malheureux yo même yo pas ca l'acheter sur frontière là. Donc son bagaille qui clair, le banditisme c'est un banditisme programmé. Donc c'est pas nous même cap deal. Donc rapport tout rapport yo bay. Donc, même si que quelque part, Ariel Henry, il dit parfois, et le méchant fait quelque chose, et souvent qu'il le trompe. OK? Là, il pense que la fond bagaille, et bailis, non, mon etc. Mais quelque part, ça montrait, il est capable de dire, niveau profondeur, blessure, là, dans qui ça nous est, je ne veux dire là.
OK. Bon, en pile moun ki épinglé dans différents rapports yo, monsieur Bato, yo gade yo comme des rapports typiquement politiques. Si n'a pas essayé gade rapport ILCC et rapport que groupe expert Nations Unies produit et sous ensemble de moun ki yo épinglé comme moun ki a baisa ou bien ki n'a créé gang en dedans pays a. Majorité moun sa yo di ou c'est des enquêtes qui pas gen pièce expertise, c'est des moun ki en traité vis-à-vis avec ça autant des réseaux sociaux et puis yo épinglé yo. Ou même qui c'est acteur politique en dedans pays a qui était dans une opposition ou disait était opposition constructive sans doute ou te connaît te gen des nèg qui était dans opposition qui t'a baïzam dans position par qui t'a vu barricade c'est avenir et qui t'a demandé pour l'autre pays a dans question l'autre dans l'hypothèse nous dans zone à côté nous il y a qui position sur ça fond faire la part des choses donc en faisant la part des choses je vous dis à là faut pas mélanger rapport ULCC qui fait toute sortie là avec on capable dit liste de sanctions qui baille par la communauté internationale, c'est deux bagages différents. OK.